nous sommes déçus de ce résultat. Mené 1-0 et en 3-4 minutes, tout a basculé. Bon, ça, c'est, on peut dire que c'est manque de concentration. Et à la seconde mi-temps, on a essayé de renverser, mais malheureusement, on n'a pas pu. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer, alors que vous maîtrisiez le match? Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est manque de concentration. Un match, c'est 90 minutes, voire plus. Donc, même si tu mets le score 1, 2, 0, 3, il faut être concentré, il faut jusqu'à ce que la bille siffle la fin. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas pour nous. On a lâché en moins de 5 minutes et ça a été très compliqué de revenir. Comment aller Quels sont les sentiments, j'allais dire, à la fin du match dans le vestiaire? Il n'y a pas forcément d'abattement. Vous savez que c'était le leader, vous savez qu'il y avait aussi beaucoup de joueurs qui étaient absents. Ou il y a quand même, vous avez pris quand même un coup derrière la tête? Oui, c'est vrai. On savait qu'on jouait le leader. Et après, on a des absents, c'est-à-dire des suspendus, des blessés. Mais quand même, on se disait que ceux qui étaient présents pouvaient répondre. Voilà, donc on a essayé de faire avec ceux qui étaient là. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Sinon, quand même, on s'attendait à ce que ce soit un gros match, forcément. Mais malheureusement, on n'a pas été à la hauteur comme on voulait.